Bienvenue à notre premier atelier sur l'investissement de l'année. Nous sommes heureux de vous accueillir ce matin à notre série Atelier sur l'investissement qui est là pour vous donner les outils afin de faire la finance autrement. Aujourd'hui, nous accueillons Viola Moïse et Lionel Syndic, conseillers en placement au sein du groupe Profine, qui vont aborder le thème Planifier vos objectifs financiers pour cette nouvelle année. Nous allons tout d'abord passer la parole à Gaëtan Jean-Jacques, directeur AI de Profine et trésorier du groupe Profine, qui fera une brève introduction juste avant d'entamer la présentation. Le groupe Profine vous souhaite un bon atelier sur l'investissement. Merci Chaïda. Bonjour à tous. C'est avec un immense plaisir que je vous accueille aujourd'hui à notre premier atelier d'investissement de l'année 2024, intitulé « Planifier vos objectifs financiers pour cette nouvelle année ». Pour ceux qui ne les connaissent pas déjà, je suis ravi de vous présenter deux de nos conseillers en placement, Viola et Lionel, qui animeront cet atelier. Aujourd'hui, ils partageront avec vous des stratégies essentielles pour planifier et atteindre vos objectifs financiers dans cette nouvelle année. Que vous soyez un investisseur aguerri ou nouveau dans le domaine, cet atelier est une occasion exceptionnelle d'acquérir des connaissances précieuses et de poser les bases d'une année financièrement prospère. Viola et Lionel partageront avec vous des insights cruciaux sur la manière d'analyser et d'interpréter votre propre situation financière, la nécessité de comprendre votre profil d'investisseur. Ils vous aideront à identifier vos tolérances au risque et vos objectifs, éléments clés pour élaborer une stratégie d'investissement efficace. De plus, ils vous éclaireront sur le concept essentiel de la diversification, une pierre angulaire pour minimiser les risques tout en maximisant les opportunités de rendement. Ensemble, Viola et Lionel couvriront ces sujets et bien plus encore. Ils sont ici pour répondre à vos questions, vous guider et vous fournir les outils nécessaires pour prendre des décisions éclairées en matière d'investissement. Nous sommes convaincus que vous trouverez cet atelier à la fois informatif et enrichissant. Sans plus tarder, permettez-moi de parole à Viola et Lionel. Merci à toi, Chaïda, et merci à M. Jean-Jacques, notre directeur également. On est heureux d'être avec vous aujourd'hui et sans plus tarder, on va entamer la séance de formation avec M. Lionel Syndic, mon collègue. Bonjour à tous, je vous remercie. Nous allons entrer dans le vif du sujet qui est comment et nous-mêmes en tant que conseiller en placement, nous pouvons vous aider à planifier vos objectifs financiers au cours de l'année. Pour planifier l'objectif financier, il y a beaucoup de points et qu'on met en exergue pour pouvoir les analyser. Le premier point sur lequel nous allons discuter, c'est l'analyse détaillée de la situation financière et les revenus, dépenses, actifs et dettes. Tout au long de votre parcours et en tant que client, c'est-à-dire de la phase initiale où vous êtes un prospect, où vous entrez en contact avec nous, jusqu'à la phase où vous devenez client, et en tant que conseiller en placement, notre fer de lance est pour vous aider et tout au long du processus en tant que client, c'est d'analyser votre situation financière. Regardez les revenus, les dépenses actifs et dettes et avoir une compréhension assez large de vos objectifs financiers à court et à long terme. Pour ce faire, on va regarder comment évolue votre situation financière actuelle, comment a été votre situation financière et à partir de cela, on va faire un débat. Ce sera toujours un échange. Pourquoi? Parce que vous allez partager avec nous quels sont vos objectifs financiers et à partir de là, on va ajuster nos offres. Le troisième point, qui est l'ajustement des offres en fonction des objectifs, je vais laisser la parole à ma collègue, Madame Moïse, qui va un petit peu débattre de cette partie avec vous. Merci à toi, Lionel. Faisant suite aux propos de M. Syndic, on va poursuivre avec le troisième point de l'évaluation de la situation financière, qui est l'ajustement des offres en fonction des objectifs. Pour évaluer la situation financière et ajuster les offres en fonction des objectifs, on a des étapes à suivre.
On doit analyser la situation financière actuelle. On doit commencer par examiner en détail les revenus, les dépenses, les actifs et passifs. On doit faire un calcul du bilan financier pour avoir une vue d'ensemble, une vue globale de votre situation actuelle. On doit également définir les objectifs financiers. On doit les identifier et ceci clairement. À court terme, à long terme ou à moyen terme, on doit s'assurer que les objectifs sont spécifiques, mesurables, atteignables, réalistes et temporels. On va dire définis comme SMART. Ça peut inclure comme objectif arrondir ses fins de mois, se faire de l'argent en complément, bien avoir des rentrées additionnelles tout court, pour rembourser des dettes, saisir des opportunités lorsque des intérêts ou des dividendes peuvent vous permettre de ne pas perdre le deal d'une voiture, par exemple. Ou bien faire face aux imprévus, être en mesure de gérer les problèmes qui apparaissent sans crier gare, comme la maladie d'un proche. Acheter une maison, parce que c'est sûr et certain qu'un investissement à intérêt composé qui prend de la valeur au jour le jour, ça peut vous permettre de faire l'acquisition de votre résidence principale. Des dépenses importantes dans le futur, ou bien l'éducation de vos enfants, et même préparer la retraite. Donc, pouvoir atteindre ses objectifs, il faut être en mesure de suivre les étapes. Il faut également pouvoir évaluer les offres existantes. On doit passer en revue les offres financières actuelles. On doit pouvoir être en mesure de faire une comparaison des offres, on peut-être les épargnes, les investissements, les prêts que vous avez en cours. On doit vérifier les frais, les conditions d'utilisation, les avantages et les inconvénients alors de chaque produit et service. On doit faire des recherches, on doit se renseigner sur les différentes options disponibles sur le marché, et ceci pour que ça soit nettement en harmonie avec les objectifs financiers que vous vous êtes fixés. On doit prendre en compte les contraintes financières. Si vous avez des dettes, il faut être en mesure de les prendre en compte. Vos contraintes budgétaires lors de l'évaluation des différentes offres. Assurez-vous de choisir des offres qui sont en adéquation avec vos moyens financiers. Il faut ajuster les offres en fonction des objectifs. Et aussi consulter un professionnel. D'ailleurs, Monsieur Syndic et moi, nous sommes là pour ça comme conseillers en placement. Parce que si vous vous sentez dépassé par les événements et que vous avez besoin d'une expertise supplémentaire, n'hésitez pas à consulter un conseiller en placement. Un professionnel pourra vous aider à évaluer votre situation financière de manière plus approfondie et vous guider dans la prise de décision. En suivant ces étapes, vous serez en mesure d'évaluer votre situation financière actuelle, de définir les objectifs clairs, de comparer les offres et les ajuster en fonction de vos besoins et de vos objectifs. Pour l'évaluation de la situation financière, le quatrième point, c'est la personnalisation des services. Lorsqu'on parle de personnalisation des services, c'est un élément essentiel pour optimiser vos finances personnelles. Comment on va procéder? On a déjà parlé de l'évaluation de la situation financière. Donc, on doit examiner les sources de revenus, vos salaires, vos revenus de location, vos investissements. Si vous avez en fait d'autres types de revenus, il faut être en mesure de faire ce bilan. Il faut évaluer la stabilité et le montant mensuel ou bien périodique qui rentre, mais en fait que vous avez en main. Il faut être en mesure d'évaluer vos dépenses, passer en revue vos dépenses mensuelles, y compris les dépenses fixes, les dépenses peut-être des imprévus, le loyer, les factures, les prêts, les dépenses variables en termes de nourriture, divertissement, vêtements, les vêtements que vous portez. On doit identifier les domaines où vous pouvez réduire vos dépenses. On doit être en mesure de faire un bilan de vos actifs, compte bancaire, investissement, les biens immobiliers, de vos passifs également, les dettes, les prêts. Il faut faire une soustraction de vos passifs, de vos actifs, pour pouvoir obtenir la valeur nette. Il faut également avoir des objectifs financiers. On les définit à court terme, moins d'un an, moyen terme, entre 1 à 3 ans, long terme, plus de 5 ans. Ça peut inclure l'épargne pour un achat important, des dettes à rembourser,
la préparation de la retraite. On doit prioriser vos objectifs en fonction de leur importance et de leur urgence. Donc, il faut personnaliser les services. La personnalisation des services, il faut les identifier. Identifier les services financiers qui correspondent à vos besoins, à vos objectifs. Ça peut inclure différents types d'actions, les comptes d'épargne, les investissements, que ce soit à court, à moyen ou à long terme. Il y a moyen de personnaliser les services. Donc, à Profine, c'est ce qu'on fait. On fait une comparaison des différentes offres possibles, des différentes offres disponibles sur le marché en termes de taux d'intérêt, de frais, de conditions, d'avantages et d'inconvénients. C'est toujours en fonction des objectifs du client que se base cette discussion, cette présentation que l'on vous fait pour pouvoir atteindre au mieux les objectifs que vous vous êtes fixés en tant que client. On est là pour vous aider. Donc, toujours est-il qu'il faut consulter un conseiller financier, un conseiller en placement pour obtenir des conseils personnalisés en fonction de votre situation. Ils peuvent vous, on peut vous aider à faire le choix des offres adaptées à vos besoins et pouvoir élaborer une stratégie financière personnalisée. Dans ce slide, nous allons parler de l'analyse du profil d'investisseur. Et quand vous venez à Profine, ceci se veut un élément encore très important pour nous, un élément qui nous permet de pouvoir agencer nos offres. Donc, le profil d'investisseur, c'est un petit exercice que tout client qui vient à Profine va toujours faire. Dans le profil d'investisseur, il y a tolérance au risque qu'on va détecter. Il y a cette partie de préférence d'investissement et il y a la partie l'horizon temporel. Tolérance au risque, c'est pour voir est-ce que vous êtes quelqu'un qui a un profil d'investisseur soit prudent, soit modéré, soit agressif. Parce que quelqu'un qui normalement a un profil d'investisseur prudent ne va pas trouver le même offre qu'une personne qui a un profil d'investisseur modéré ou agressif. Chaque profil d'investisseur correspond à un type de produit bien déterminé pour pouvoir avancer avec le client. Par rapport au profil d'investisseur, il y aura les préférences d'investissement. Il y a des investisseurs qui vont se baser, par exemple, sur les actions, tandis que d'autres vont s'orienter plutôt vers des produits financiers type obligations. Il y aura d'autres parallèlement qui feront un mix. Par rapport à votre profil d'investisseur, ça va nous permettre de voir est-ce que nous pouvons faire un mix. Est-ce que nous allons seulement dans un produit qui est agressif ou bien est-ce que ce sera un portefeuille d'investissement qui détient seulement des produits prudents? Parce que en fonction de chaque profil, on va devoir s'ajuster pour normalement permettre que la personne puisse atteindre ses objectifs financiers, bâtir son patrimoine, parce que mettez-vous en tête que le conseiller en placement est là comme guide. On est là pour vous aider à atteindre vos objectifs financiers, à bâtir votre patrimoine. D'ailleurs, c'est le fer de lance, c'est le point essentiel, c'est notre boulot de pouvoir vous aider à bâtir votre patrimoine, d'atteindre vos objectifs financiers. Dans les objectifs financiers, il y a beaucoup de choses, c'est assez large. Par exemple, c'est peut-être un moyen pour nous de vous mettre en place une forme de salaire mensuel. On peut le faire à Profine. En termes de risque, en termes de profil d'investisseur, plus globalement, on va trouver trois types de profils. On a les investisseurs conservateurs ou prudents. Ce sont en fait des clients qui privilégient la sécurité des placements et une faible volatilité du portefeuille. Donc, cette personne peut accepter une performance plus modérée de son épargne. Avoir accès à des rendements fixes, mais en étant confortable. Le deuxième profil, c'est l'investisseur modéré ou équilibré. C'est quelqu'un qui privilégie le juste équilibre entre performance et sécurité.
Cette personne est à la recherche d'un rendement nettement plus élevé, mais tout en étant en fait, tout en ayant un niveau d'aisance dans le placement, dans l'investissement effectué. Je cherche la meilleure performance, accessible avec une prise de risque raisonnable, une prise de risque nettement contrôlée. Troisième lieu, vous avez trouvé un investisseur agressif. Cette personne privilégie le juste équilibre entre performance et sécurité. Quelqu'un qui est agressif, cette personne recherche une meilleure performance accessible avec une prise de risque assez élevée. C'est quelqu'un qui est à la recherche d'un rendement élevé tout en assumant les risques que ça comporte. Donc, ce sont les trois types de profils qu'un client peut avoir et qu'on peut, en tant que conseiller en placement, et l'aider en fait, à déterminer lorsque la personne vient à profil. Et en connaissant votre profil d'investisseur, c'est sûr et certain que vous êtes en moyenne, vous avez toutes les possibilités d'atteindre les objectifs fixés tout en respectant le profil que vous avez. À partir de l'analyse et de votre profil d'investisseur, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de mix qu'on peut faire. Et une personne qui a un profil d'investisseur très prudent peut voir que nous allons faire en sorte d'avoir un portefeuille où il détient des obligations, des fonds communs de placement, et j'en passe. À chaque profil d'investisseur, il y a une possibilité infinie de mix d'investissements qui peuvent être faits au niveau de ce portefeuille. N'oubliez pas que quand vous venez à Profil, vous avez la possibilité et d'avoir une panoplie de produits qui sont disponibles pour bâtir votre portefeuille d'investissement. Par exemple, nous avons les actions. Les actions sont des titres négociables émis par une société anonyme et qui réfère à certains droits de vote. La personne s'attend à des dividendes de cette entreprise et la personne sait aussi qu'il prend une part dans la partie financière de l'entreprise. Il y a les obligations soit en gourde, en dollars. À ce stade, vous savez que les obligations sont une part d'emprunt qui vont vous permettre de générer des revenus et souvent les obligations peuvent normalement vous payer des intérêts, soit de manière trimestrielle, soit de manière semestrielle. Effectivement, vous allez trouver les fonds communs de placement. Les fonds communs de placement sont des titres qui sont gérés professionnellement. Et nous vous invitons d'ailleurs à prendre toujours un rendez-vous avec votre conseiller en placement, qui lui se chargera de vous accompagner. Parce que n'oubliez pas qu'à Profine, nous offrons donc un service personnalisé à nos clients. Parce que le client se veut être le point essentiel, le point focal sur lequel nous misons. D'accord? Et le dernier produit que vous pouvez trouver, ce sont les fonds dédiés. Les fonds dédiés où le client peut trouver, par exemple, des actions privilégiés d'entreprises pour lesquels Profil est intermédiaire. Donc, tout cela pour dire que un client, quand vous venez à Profil, vous avez cette possibilité d'avoir accès à des produits uniques, des produits qui vont vous permettre de diversifier au maximum votre portefeuille pour vous aider à atteindre vos objectifs. Comme on l'avait dit tantôt, des objectifs à court terme, des objectifs à long terme. La diversification entre ces différents types d'actifs, entre ces différents types de produits, ça permet de faire une répartition du risque, de mitiger le risque que vous prenez tout en faisant choix de votre produit. Ça vous permet de profiter des performances potentielles de chaque produit, de chaque offre que Profine va vous faire. Une répartition des actifs dans un portefeuille, ça doit être ad adapté aux besoins du client. Ça doit être adapté aux objectifs, au profil de risque, aux préférences de chaque investisseur. Il est recommandé de consulter un conseiller en placement pour établir une stratégie d'investissement.
Donc, pour pouvoir avoir accès à cette diversification, Pauphine est en mesure de vous offrir toute une gamme de produits. Donc, c'est la nécessité d'avoir accès à des produits, à des opportunités d'investissement uniques. Lorsqu'on dit unique, c'est unique. Avec quel produit constituer un portefeuille de placement? Quels sont les produits qui sont disponibles à Pauphine? Tout d'abord, on a les obligations de la BRH. La BRH, Banque de la République d'Haïti. C'est une institution financière qui joue le rôle de régulateur. On a en fait, elle a le pouvoir d'énoncer, de diriger, de superviser la politique monétaire en Haïti. Elle autorise l'impression de billets, en fait, de monnaie, et elle détermine également les volumes des émissions en accord avec la loi. Donc, pour les obligations BRH, c'est vraiment un produit à titre d'emprunt, bien sûr, étant donné que ce sont des obligations à court terme émises par la Banque centrale et remboursables à échéance sur 3 mois. Elles font pas, bon, sur 3 mois, sur 6 mois et sur 1 an également. Elles font partie du segment de produits à revenu fixe et ce produit est considéré comme un instrument financier présentant un très faible profil de risque. Un client ayant un profil conservateur, un profil prudent, c'est en fait le produit idéal. Je pense que la rémunération des obligations BRH est constituée de deux composantes. Il y a non seulement la partie intérêt trimestriel ou semestriel ou annuel, la partie en fait des intérêts qui est due par la Banque centrale et la partie en fait du taux moyen d'acquisition qui est calculé en fonction de la dépréciation de la gourde. Second produit, on va trouver les différents produits de Profine elle-même. Profine, c'est une institution financière régulée par la Banque centrale, c'est sûr, parce qu'on ne fait rien sans l'aval de la Banque centrale. Et Profine dispose du statut de société de promotion des investissements. On réalise le placement de valeurs mobilières auprès du public, auprès de vous, et on assure la tenue de comptes de conservation d'instruments financiers également. Donc, de manière générale, notre institution, Profine, elle est habilitée à fournir à vous, nos clients, tout type de services et activités semblables à des services d'investissement ou à des services connexes. Il y a également CIC. CIC, c'est comme la fille de Profine. Le sigle, c'est Caribbean Investor Capital. C'est une société par action qui offre aux participants la possibilité d'investir indirectement dans de nombreuses sociétés. C'est une société de private equity. Et on investit dans différentes entreprises et a un fort potentiel de sens. Et on respecte les directives d'investissement préétablies. On va dire que CIC, c'est la première société d'investissement de capital privé en Haïti et soutenue principalement par des investisseurs haïtiens, d'où notre fierté. La société investit avant tout dans les secteurs d'activité porteurs qui répondent aux besoins essentiels de la société, tels que la transformation alimentaire, il y a l'énergie, il y a la finance, l'immobilier, que ce soit du côté local, régional ou international. Donc, CIC est en mesure de vous offrir des actions ordinaires qui vous permettra de devenir actionnaire, c'est-à-dire de prendre part au risque de l'entreprise, qu'est CIC, mais également en fait, d'avoir des revenus extraordinaires lorsqu'il y a distribution de dividendes. Sans plus tarder, on va passer à Naos SA. Naos SA, c'est une filiale du groupe Provine qui a été structurée en 2019. Naos SA est en mesure de vous donner le produit adéquat qui fait un match direct, un match complet avec le profil d'investisseur que vous avez. Effectivement, quand nous parlons de profil d'investisseur prudent, modéré ou agressif, il faut que nos clients se mettent en tête que les offres Naros vont dans le même sens. Nous avons des produits qui sont adaptés aux gens qui ont un profil très prudent, et agressif et modéré. Et de même que des clients qui sont avertis. Donc, c'est
Tout cela pour vous dire que vous aurez toujours accès à des opportunités d'investissement uniques. Sans plus tarder, on va entrer dans le prochain slide qui revient au conseiller en placement de faire ce qu'on appelle une éducation avec le client. N'oubliez pas qu'en tant que conseiller en placement, oui, on est là, on est là pour nos clients. Mais quand nous avons un client, il ne s'agit pas seulement de faire affaire avec ce client. Il s'agit aussi de bâtir son patrimoine. Mais il s'agit aussi pour nous, parce qu'à Profine, on parle et on met l'emphase sur l'expérience client. Donc, dans cette même veine, dans cette même stratégie, dans cette même logique d'expérience client, nous, en tant que conseiller en placement, on est là pour aider le client à comprendre les opportunités d'investissement, pour aider le client à comprendre les principes financiers, les principes fondamentaux des investissements. Pourquoi ce sont des choses qui arrivent très souvent que le client me demande, ah, monsieur Sadiq, j'aimerais bien avoir une idée de comment fonctionne peut-être l'obligation. C'est normal parce que notre rôle ne se situe pas seulement ou ne se limite pas seulement à donner au client un produit, c'est tout un accompagnement. Et cela va même un peu plus loin. On doit essayer de comprendre ou d'aider le client à comprendre les décisions prises par rapport à son portefeuille. Un client peut me dire qu'aujourd'hui, que je veux investir dans des obligations ou dans des actions. Mais le client doit aussi savoir quels sont les risques associés. Tout cela, ça revient toujours à cet aspect d'éducation financière. Parce que n'oubliez pas, une fois qu'on partage nos connaissances avec le client lui-même devient quelque part un conseiller en placement, puisque lui aussi, il va faire en sorte d'éduquer d'autres personnes. Et ces personnes-là, à coup sûr, vont vouloir aussi bâtir un portefeuille d'investissement et vont venir également à Profine. Donc, sans plus tarder, on va passer au nouveau slide. Merci Lionel. Pour la gestion des risques et des événements de vie, on a déjà parlé de la stratégie d'investissement, la stratégie d'investissement qu'il faut pouvoir élaborer. Et pour pouvoir élaborer cette stratégie, il y a différents points. Il y a la retraite complète. Il faut pouvoir être en mesure d'estimer les besoins financiers et la retraite, et ainsi que la recommandation de produits de retraite appropriés. La retraite, c'est une partie importante. Prenons l'exemple du cycle de vie. Nos parents nous donnent naissance, on grandit, on devient adolescent. On va à l'école, on va à l'université pour pouvoir se prendre en charge dans le futur. On a notre premier boulot, c'est certain, mais jusqu'ici, nos dépenses sont plus élevées que nos revenus. On travaille dur, on arrive à avoir de la valeur sur le marché du travail et c'est à ce moment que les revenus dépassent les dépenses. C'est la période idéale pour pouvoir investir. C'est ce surplus qu'il faut placer dans des produits intéressants pour avoir le rendement assez élevé et être en mesure de gérer, d'assurer cette partie retraite. Parce que trop souvent, on voit des familles qui vivent une galère car ils n'ont pas su bien gérer la période où les revenus dépassaient largement les dépenses. Et en période de retraite, c'est vraiment la catastrophe. Donc, toujours est-il qu'il faut être en mesure de prendre les bonnes décisions et ceci au bon moment. Même s'il n'est jamais trop tard pour bien faire, mais il faut investir. Investir, c'est vrai que c'est risqué, mais ne pas le faire, c'est encore plus risqué, je vous le garantis. Donc, à Profine, on est toujours fiers de dire que les clients ont accès à un service personnalisé. On est là pour le client, on est là pour vous servir. Il ne s'agit pas uniquement d'une vente, il ne s'agit pas uniquement, en fait, il ne s'agit pas d'une transaction à conclure, d'une affaire où la personne vient, fait son investissement et repart. Mais non, on vous écoute
pour bien vous comprendre, pour bien comprendre, mieux cerner vos besoins. On vous aide à connaître votre profil, à trouver les offres adaptées à ces besoins pour pouvoir vous satisfaire. Notre priorité, c'est vous. Donc, vos conseillers sont présents pour répondre à toutes vos questions. Par exemple, vous faire des tableaux de simulation sur demande pour une meilleure compréhension des choses. Vous aider à décortiquer les chiffres parce que si ce n'est pas le domaine de la personne, ça peut prêter à équivoque, peut-être ça peut prêter à confusion. Ça arrive souvent. On est là pour vous aider avec les chiffres pour mieux saisir les informations en fait relatives. On est là également pour vous faire part de toutes les futures opportunités d'investissement qui pourraient se présenter, que ce soit avant ou après votre investissement, que ce soit avant ou après votre premier placement en profil. On va dire, en fait, c'est vraiment en permanence, on est là pour vous, on mettait un regard quotidien sur vos portefeuilles, on garde un contact régulier avec les clients, on vous fait des mails, des appels. En cas de versement d'intérêts ou de dividendes sur votre compte. Bon, parce que la politique de profil, c'est que si vous perdez un jour en intérêt, ça s'appelle perdre de l'argent. Et pas question que ça arrive à profil. Donc, vous nous faites confiance? Vous nous confiez votre argent? Et notre mission, c'est de le faire fructifier. On doit créer et répandre de la richesse. C'est une collaboration continue basée sur une confiance mutuelle pour faire la finance autrement. Le succès du client est aussi notre succès. Avoir un portefeuille d'investissement qui rapporte au client, c'est aussi notre succès, le succès de profil. C'est pour cela que nous nous appelons à maintenir un contact permanent. Rappelez-vous que dans quelques minutes avant, je vous avais parlé de l'expérience client. L'expérience client, le client est le maître mot à profil. C'est notre point essentiel. D'accord? Donc, en tant que conseiller en placement, on est toujours là pour vous écouter parce qu'il y a ce qu'on appelle les éléments de vie qui peuvent changer. Un client qui avait commencé un investissement avec nous au début, et avait peut-être fixé certains objectifs et au fur et à mesure, ces objectifs ont changé. C'est là où revient cette communication continue, ce maintien de la communication, parce que par au changement que le client a pu avoir dans sa vie, nous devons d'ajuster nos offres, d'ajuster le portefeuille de placement, le portefeuille d'investissement du client. En conséquence, afin de rester dans cette même ligne de stratégie que le client avait fixée ou la ligne de stratégie que le client vient encore de se fixer. Donc, n'hésitez pas à nous contacter à Bofin. Nous ferons un plaisir de vous accompagner pour vous aider à atteindre ces objectifs. Donc, je laisse le mot de la fin à ma collègue Mme Moïse. Alors, pour appuyer ce que tu viens de dire, c'est vraiment, en fait, il faut dire que c'est important de noter que le profil d'investisseur, ça peut évoluer avec le temps. En fonction de votre situation financière, parce qu'il est fort possible de changer de travail ou bien, en fait, de mettre sur pied sa propre entreprise, ce qui peut avoir un impact assez considérable sur votre situation financière, sur vos objectifs, sur votre tolérance au risque. Donc, il est recommandé de faire une réévaluation de votre profil régulièrement pour s'assurer que la stratégie d'investissement, ça reste alignée à vos besoins en fait, et également aux objectifs que vous avez fixés auparavant. Parce que quelqu'un qui a un enfant, qui avait en fait une stratégie d'investissement. Si cette personne à l'avenir, dans 5 ans, cette personne en a trois, il y a en fait deux autres enfants qui arrivent, c'est sûr et certain qu'il y aura peut-être un changement au niveau du profil. Donc, on est là pour vous.
En permanence, c'est comme on a dit, c'est une collaboration continue. Si vous avez besoin de nous, n'hésitez pas. Il faut pouvoir nous contacter. Les coordonnées sont là. Vous nous contactez, que ce soit par téléphone, que ce soit par mail, sur le mail placement profil. Il y a toujours quelqu'un qui va vous répondre. Et on est là pour vous servir. Et en fait, vous comptez sur nous et on compte sur vous. Donc, merci encore pour votre écoute et place aux questions. Merci beaucoup pour cette présentation très complète et instructive. Nous vous invitons maintenant à poser vos questions dans le Q&A. On va commencer avec une des premières questions. Y a-t-il une différence entre banque d'investissement et société de promotion des investissements? Alors, on a commencé à donner une première réponse. Alors, la réponse, qui est le terme banque d'investissement, vient du langage anglo-saxon. C'est l'équivalent de la société de promotion d'investissement. Viola ou Lionel, est-ce que l'un d'entre vous aimerait ajouter quelque chose à cette réponse? Merci, Chaïda. Et effectivement, il n'y a pas de différence. La seule chose, c'est de par la législation haïtienne également qu'on opère sous ce label de société de promotion des investissements. Donc, on est l'équivalent d'une banque d'investissement qui offre exactement tous les produits que vous pourriez trouver dans une banque d'investissement et aux États-Unis ou en Europe. La seule chose, vous savez que nous, au niveau d'Haïti, nous proposons des produits au fur et à mesure. Et j'espère que dans un futur très proche, qu'on va encore innover, parce que Profini s'attelle à innover à chaque fois avec de nouveaux produits très compétitifs sur le marché. Et donc, très bientôt, attendez-vous à avoir beaucoup d'autres produits qui correspondent exactement aux banques d'investissement et des produits attrayants. Merci beaucoup pour cette réponse. Alors, on va passer à une autre question. Alors, quand les changements arrivent dans la vie du client, doit-il revoir le profil investisseur qu'il avait rempli préalablement? C'est sûr et certain. Bon, on en a parlé lors de la présentation. Il y a des changements qui peuvent arriver et ceci soudainement. Peut-être en termes de statut, peut-être en termes de promotion. Vous avez pris une promotion en fait, du côté du travail ou bien vous avez peut-être un ou deux enfants en plus. Oui, il faut revoir le profil financier. Il faut pouvoir en fait être en mesure d'adapter le profil d'investisseur que vous avez en fonction de des différents objectifs que vous vous êtes fixés. Parce que c'est sûr et certain, si vous ne respectez pas les objectifs que vous vous êtes fixés, si vous n'avez pas des objectifs suffisamment clairs et concis, ça va peut-être poser problème à l'avenir. Donc, il faut pouvoir adapter votre profil. Il faut, on va dire, une certaine adaptabilité au niveau du changement. Il faut planifier parce que ça permet d'ajuster en fonction des changements de vie. Ça garantit une certaine flexibilité et une certaine adaptation continue pour pouvoir gérer tout ça. Je ne sais pas si tu veux ajouter quelque chose, Lionel. Normalement, je crois que tu as tout dit, mais je vais mettre l'emphase sur les éléments de vie. Quelqu'un qui est avec nous, au niveau de son profil d'investisseur, était prudent. Et je prends l'exemple, il percevait un salaire de 5K, par exemple, et maintenant, perçoit un salaire qui est un petit peu plus élevé. Peut-être que cette personne va changer ses objectifs pour dire, bon, que okay, je veux passer d'un produit à un autre. Et c'est là encore qu'intervient le conseiller dans cette écoute continue, de communication continue avec le client. Parce qu'à chaque fois que quelque chose va changer au niveau de la vie du client, nous, on se doit de nous adapter, d'adapter et nous offre en fonction de ce changement de la vie du client. Merci pour cette réponse. On passe à la question suivante de Junior Vilsain qui demande quel produit Profine qui a le plus fort taux de rendement. Dans ce cas-là, on vous invite à contacter, alors à nous contacter, à passer à Profine et comme ça, on aura une conversation en fait, face à face et très agréable. Et on sera en mesure de vous donner absolument tous les taux de rendement et vous pourrez faire votre choix. Merci déjà et on vous attend.
Merci. On mettra notamment dans le chat les différents numéros auxquels vous pourrez nous contacter et notamment l'adresse email. Alors, on passe à une prochaine question, la question de Michelet l'Official, qui nous remercie pour cette présentation, qui vous remercie, pardon, pour cette présentation très dynamique. Merci également pour ce volet d'éducation dans cette culture de faire la finance autrement. Alors, c'était des mots de remerciement. Merci beaucoup, Monsieur Michelet l'Official. Ensuite, nous avons une autre question qui est quand même assez longue de Monsieur Stevenson Denis, qui nous remercie déjà pour cette présentation et qui a plusieurs questions. Donc, la première, comment ajuster ses objectifs financiers en fonction des changements de situation ou d'imprévus? Bon, je vais prendre la première question. Pour pouvoir ajuster ses objectifs financiers en fonction des changements de situation, on peut suivre plusieurs étapes. Il faut pouvoir planifier les moments réguliers pour revoir les objectifs financiers. On doit tenir compte des changements dans notre vie et ceci en fait dans l'économie également. Et il faut également être prêt à ajuster les objectifs lors de transitions importantes dans votre vie. On peut prendre un exemple, par exemple, le mariage, naissance, divorce, changement de carrière, promotion. Il y a tout cela à considérer comme différentes transitions importantes de la vie d'une personne. Il faut être également flexible dans les échéances. Il faut anticiper les échéances en fonction de votre situation actuelle. Mais il faut également rester réaliste. On doit également prioriser les besoins immédiats que vous avez. Si vous êtes dans une situation assez difficile, vous avez des difficultés financières, il faut vous concentrer sur les besoins immédiats. Il faut ajuster temporairement vos objectifs à plus long terme parce que on essaie de résoudre les problèmes qui sont dans l'immédiat et ensuite on pourra voir les autres qui sont à plus long terme. Vous pouvez revoir votre budget, vous pouvez en fait modifier le budget pour que ça ait une nette réflexion en fonction des nouvelles priorités que vous avez. Il faut également passer à profil un conseiller en placement pour obtenir des conseils adaptés à votre situation. Et également, bon, je le conseille toujours, il faut également voir avec votre famille parce que si vous n'êtes pas seul, si vous ne faites pas cavalier seul, ça implique d'autres membres de la famille. Donc, discuter des changements, ajuster les attentes en conséquence, c'est assez important. Donc, restez réaliste, soyez honnête avec vous-même sur ce qui est réalisable dans votre réalité, dans ce que vous vivez et ajustez vos attentes en conséquence. On va passer à la deuxième question, Oui, Saïda. exactement. Donc, la deuxième question, quels sont les avantages de diversifier les sources de revenus dans la planification financière? Bon, et le maître mot dans cette partie pour cette deuxième question, c'est que cela va vous permettre de bâtir votre patrimoine financier rapidement. Et là, je prends l'exemple où je vois, par exemple, des clients qui ont un portefeuille assez diversifié. Et même si ce client perçoit de petits intérêts, ça et là, les additionnant tous, cette personne va voir que petit à petit, ça se bâtit et va voir que son patrimoine dans un laps de temps grandit. Effectivement, quand on diversifie ses sources de revenus, ça va vous permettre d'avoir une planification de vos objectifs, comment vous pouvez vous ajuster pour faire des investissements additionnels et j'en passe. Donc, c'est un grand avantage de le faire. Merci. Alors, la troisième question, comment évaluer et gérer les risques financiers liés à la réalisation des objectifs? Bon, l'évaluation des risques financiers, je ne vais pas vous le cacher, quel que soit le type d'investissement, c'est risqué. L'essentiel, c'est vraiment de savoir qu'est-ce que vous cherchez vous-même. Quel est le niveau de risque que vous êtes prêt à prendre? Quels sont vos objectifs également? C'est la nécessité d'avoir des objectifs assez clairs pour pouvoir les atteindre. Parce que si en termes d'investissement,
dès qu'on parle d'investissement, c'est risqué. D'ailleurs, lors de la présentation, on a dit que investir, c'est risqué, mais ne pas le faire, c'est encore plus risqué. Donc, c'est toujours bien de planifier, parce que si on ne le fait pas, ça ne sera pas assez clair, parce que sans plan, ça sera assez difficile de définir clairement vos objectifs financiers. Ça peut conduire à peut-être des décisions trop rapides, des décisions en fait peu réfléchies. Et ça peut également conduire à des endettements excessifs, ou bien des retraites non préparées, ou bien des tensions familiales, étant donné qu'on a parlé de la famille tout à l'heure. Donc, il faut vraiment prendre en compte toute cette partie-là et pouvoir évaluer les risques financiers. C'est vraiment en fonction des objectifs que vous avez, c'est comme je vous ai dit, ça a plusieurs étapes là-dedans. Vous fixez vos objectifs et vous prenez les produits adaptés à ces objectifs-là. Et c'est de cette façon que vous pouvez avoir un certain niveau de contrôle sur les risques financiers que vous allez prendre. Dès qu'on investit, c'est risqué. Il peut y avoir un niveau de risque assez bas, en fait, en termes de risque, c'est peu élevé, mais également, il y a des risques assez élevés. C'est vous qui définissez ce que vous voulez et à nous de vous aider à atteindre vos objectifs. Merci. Alors, on passe à la quatrième question de Monsieur Stevenson Denis. Quel conseil donneriez-vous pour maintenir la motivation et la discipline dans la poursuite des objectifs financiers? J'aimerais bien cette question. Je vais prendre l'exemple rapidement. Le maître mot, le conseil que je peux donner, c'est une fois que vous avez fixé vos objectifs, de vous mettre à 100%, de vous donner à 100% pour atteindre ces objectifs. OK? J'utilise en général une phrase assez intéressante d'un acteur connu, Denzel Washington, qui vous dit: Without consistency, there's no result. Donc, il faut toujours avoir rester constant à soi-même. Quand vous vous fixez des objectifs, faites un état des lieux et vous regardez comment vous pouvez les atteindre. Et une fois que vous avez vu comment vous pouvez les atteindre, ne laissez aucun aléa. Bien sûr, il y a des aléas. Il y aura toujours des embûches. Mais mettez-vous en tête que les embûches que vous allez confronter, c'est pour vous rendre meilleur. Moi-même, quand je me fixe un objectif, je m'attelle à avoir une certaine discipline pour les atteindre. C'est la même chose qu'on peut répliquer pour les objectifs financiers. Si vous dites que cette année, vous voulez atteindre, par exemple, un patrimoine ou augmenter votre patrimoine de 5 à 10 000, si vous devez réduire vos dépenses, réduire vos sorties, réduire ce qui n'est pas trop important en termes de dépenses, vous devez le faire. Vous devez le faire pour pouvoir les atteindre. En conclusion, le maître mot, c'est de pouvoir se dépasser chaque jour. Regardez comment vous étiez hier avec l'objectif financier. Regardez aujourd'hui et si vous n'avez pas encore dépassé hier, vous devez vous mettre en tête que vous devez encore vous dépasser un peu plus pour pouvoir arriver à un stade où, quand vous regardez en arrière, vous vous dites: Ah, ok, j'étais sorti de point A, maintenant je suis arrivé à ce point X, Y, Z. Donc, moi, c'est mon plus grand conseil pour cette question. Merci. Alors, on passe à la question suivante. Comment prendre en compte l'inflation et d'autres facteurs externes dans la planification financière à long terme? L'inflation, c'est vraiment en fait quelque chose qu'on n'a pas vraiment la même mise dessus. Parce qu'en fait, lorsque l'augmentation générale des prix des biens et des services dans une économie au fil du temps, ça a un impact assez significatif sur la planification financière. Parce que ça réduit le pouvoir d'achat et c'est vraiment en fait assez dérangeant
surtout pour bien des ménages. Donc, il est important de prendre en compte l'inflation afin de pouvoir garantir les objectifs financiers parce qu'il faut que ces objectifs-là restent réalisables, que ce soit à court terme, à long terme ou à moyen terme. Donc, les différents éléments à considérer, c'est vraiment vos objectifs financiers, les objectifs que vous vous êtes fixés. Il faut également voir l'épargne, la partie investissement que vous avez. Il faut, on va dire, c'est essentiel de choisir la stratégie d'épargne et d'investissement parce que ça permet de battre l'inflation. Il faut être en mesure de faire le choix d'un produit qui a un taux de rendement assez intéressant en fonction de l'inflation. Bon, je sais qu'en Haïti, c'est assez élevé. Et donc, on a des investissements à long terme, des actions, des obligations qui offrent généralement un rendement potentiellement plus élevé que sur le marché. Et ça permet de combattre l'inflation à long terme. Donc, il faut également voir du côté de la diversification. S'il y a des produits qui sont risqués ou il y a un certain niveau de variation en termes de taux de rendement, vous pouvez également faire un match avec un produit qui n'est pas tout risqué, en termes d'obligations, par exemple, parce que ça vous permet de mitiger le risque que vous prenez. Donc, également, il faut avoir un revenu assez régulier. Vous pouvez avoir votre salaire et essayer de trouver d'autres type de revenus, peut-être un autre travail, peut-être des projets que vous pouvez mettre sur pied. Donc, tout ça peut vous permettre de combattre cette déflation-là. Donc, c'est vrai que l'inflation peut avoir un impact assez significatif sur la planification financière, mais il y a des moyens de... On peut trouver des solutions. Déjà, je vous invite à passer à Pofine, passez me voir. Et comme ça, on pourra en parler plus calmement. Merci. Alors, la dernière question de Monsieur Stevenson Denis, c'est quelles sont les stratégies fiscales à considérer lors de la planification des objectifs financiers? La première stratégie que je peux mettre en avant, c'est par exemple investir dans des produits type et obligations, parce que dans du type obligation et offre des revenus qui sont exempts d'impôts. Donc, la diversification du portefeuille en général peut inclure des investissements fiscalement avantageux qui peuvent réduire la charge fiscale. Par exemple, les obligations BRH, par exemple. Donc, et les stratégies. Les stratégies fiscales à considérer, ce serait un petit peu d'investir un peu plus dans des produits d'obligation de l'État qui offrent des exemptions d'impôts. Moi-même, ce serait la solution, disons la stratégie la plus facile pour moi. Je ne sais pas si tu veux ajouter quelque chose, voilà. Non, pas réellement. Pas réellement. En termes d'impôts, en termes de fiscalité, c'est sûr et certain qu'en fait, on a plein de produits où c'est exonéré d'impôts. Donc, que ce soit à titre de personne individuelle, personne physique ou à titre de personne morale, il y a des produits en fait, offrant ces genres d'avantages. Et c'est tout ce que je peux ajouter. Merci. Alors, nous allons passer à une autre question d'une spectatrice, pardon, anonyme, qui dit comment ça se passe pour l'ouverture d'un compte mineur à la naissance et est-ce qu'elle peut ouvrir un compte mineur en étant enceinte? Mais non, il faut que le mineur existe, c'est-à-dire soit sur Terre. Donc, non, ce n'est pas le cas. On ne pouvait pas le faire en étant en pleine ceinture. Après la naissance, que ce soit un jour après la naissance de l'enfant, vous avez la possibilité de le faire. Parce que pour pouvoir le faire, il faut soumettre les documents de cet enfant-là, que ce soit en termes d'acte de naissance ou en termes de passeport. Donc, je doute fort qu'un jour après la naissance, que vous ayez tout ça. Donc, essayez de rassembler les documents d'abord et ensuite passez-nous voir.
J'ajoute également un petit bémol lié à ce que Maurice vient de dire. Et l'autre possibilité serait que, en tant que personne, vous ouvrez votre compte déjà à Bofin ou vous commencez à procéder à des investissements pour vous. Et par exemple, si vous avez deux investissements à votre nom, vous faites un troisième investissement et quand l'enfant sera né, vous n'auriez qu'à transférer une partie de ces investissements sur le compte de l'enfant. Donc, vous pouvez le faire également. Merci. Alors, on passe à la question de Gershom Vital qui demande quels sont les avantages et les inconvénients et les inconvénients des fonds communs de placement par rapport aux actions individuelles en tenant compte des différents profils d'investisseurs. Bon, les fonds communs de placement, à Profine, c'est vraiment géré par Naros. Parce qu'en fait, c'est la gamme de produits Naros qu'on considère comme fonds communs de placement et qui offre différents types de produits respectant les profils d'investisseurs de chaque client. On va dire que Naros offre des produits pour des personnes qui ne sont pas intéressées à placer ici et là ou bien en fait, dans divers types d'entreprises, mais ce sont des clients qui sont intéressés à un taux, à avoir un taux. Donc, Naros SA, à travers sa gamme de produits, vous allez voir des taux qui sont nets, mais tout en respectant le profil d'investisseur de chaque client. On a des produits qui sont pour les profils conservateurs. On en a d'autres qui sont pour les profils équilibrés. Et il y en a d'autres pour ceux qui sont agressifs ou super agressifs. Donc, au contraire, ce sont en fait vraiment les fonds communs de placement à travers Naros, à travers la gamme de produits Naros, qui respectent, qui tiennent compte vraiment, et ceci en fait strictement parlant, des différents profils d'investisseurs de chaque client. Normalement, cela va dépendre de quel type d'investissement que vous faites. Et par exemple, si c'est un investissement de type obligation, il y a des obligations qui commencent à payer des intérêts de manière trimestrielle, d'autres de manière semestrielle. Il n'est qu'une question de quel type d'investissement que vous avez choisi. Par exemple, si ce sont les fonds communs de placement, il y a une période à attendre pour pouvoir accéder au capital et aux intérêts, mais pour les obligations, pour certaines actions privilégiées, ça peut être payé de manière trimestrielle ou semestrielle. Excuse-moi, Chaïda. Et ce que j'aimerais ajouter aussi, c'est que dans des cas, il y a des produits qui paient des dividendes cumulatifs. Donc, c'est à la fin de l'investissement que vous recevez et le capital et les dividendes. Merci Gaëtan pour ces précisions. Alors, on va passer à la question suivante. Un spectateur anonyme demande combien de types risques avez-vous identifiés chez Profine en matière de planification financière? Que sont ces types de risques? Le risque, c'est vraiment en fait un élément essentiel. Bon, c'est un élément indiscutable au niveau des investissements. Ça peut avoir un impact sur les objectifs financiers, ça peut avoir un impact sur la situation financière. Donc, en termes de risque, on peut avoir des risques de niveau 1, de niveau 3, de niveau 5, de niveau 7. C'est vraiment en fonction du produit que vous allez choisir, il y a les risques qui l'accompagnent, c'est sûr. Donc, c'est ce qu'il faut faire en termes de planification financière, c'est évaluer le risque que vous êtes prêt. Il faut le savoir. Et pour pouvoir gérer ce risque-là, c'est diversifier votre portefeuille. C'est en fait le meilleur moyen de se protéger contre le facteur risque. Et on peut également faire un certain niveau d'ajustement en fonction du changement qu'il peut y avoir au niveau de votre vie. Étant donné que c'est incontournable en termes de planification financière, le risque, donc il faut être en mesure de le contrôler. Et pour pouvoir le faire, la meilleure chose à faire, c'est vraiment la diversification. Savoir ce que vous voulez, clair, net,
Il faut fixer ses objectifs assez clairs et ceci, en fait, diversifier votre portefeuille, c'est toujours est-il, c'est le meilleur moyen de le faire. Je ne sais pas si tu peux ajouter, si tu veux ajouter quelque chose, Lionel. Lionel, moi je peux ajouter que, excuse-moi Lionel, en ce qui concerne le risque en termes de planification financière, il y a d'autres risques qu'on devra prendre en compte. Par exemple, il y a le risque de marché et le risque dans les grands marchés, il y a le risque de perdu aux fluctuations des marchés financiers, le risque associé aux actions, aux taux d'intérêt, il y a le risque de crédit, le risque de liquidité, le risque qu'un investissement ne puisse pas être rapidement vendu ou converti en cash sans une perte de sa valeur, c'est-à-dire que tu peux acheter des actions et ne pas arriver à vendre ces actions-là et tu pourrais accepter, si tu as déjà un rendement, si vous avez déjà un rendement de 50 à 75% sur des actions, vous pouvez accepter de vendre, par exemple. Contre, il y a le risque, par exemple, de longévité dans le contexte de la retraite. Et donc, il y a pas mal de risques et je vous invite à nous contacter, à entrer en contact avec un conseiller en placement pour avoir plus de détails. Merci pour ces réponses bien détaillées. Maintenant, on va passer à la question de Louis-Christelle qui demande quelles sont les études qu'il faut faire pour être un bon conseiller en placement et est-ce qu'un conseiller en placement peut influencer la décision d'une personne? Je laisse voir la réponse. Bon, quelles sont les études qu'il faut faire? Est-ce que, bon, peut-être en termes de finances, et vraiment quelque chose, ou bien en fait une matière connexe, oui, ça peut aider parce que en fait, ça vous permet d'avoir une meilleure connaissance des termes, des chiffres et de savoir comment fonctionne le monde financier. Mais en tant que conseiller en placement, c'est vraiment. Et se mettre à cela, voir en fait, dans quelle mesure on peut aider les clients, comprendre les portefeuilles, comprendre les marchés financiers et toujours avoir un regard sur comment évoluent les portefeuilles des clients, être en mesure de les aider. Et oui, tu peux changer la décision d'un client. Oui, on a ce pouvoir parce que lorsque vous orientez un client peut être mal informé et ne pas avoir des objectifs assez clairs. Donc, si la personne, si ce client, si vous venez nous voir à Profil et que vous nous expliquez quels sont vos objectifs, qu'est-ce que vous voulez faire, quel est le type de risque que vous êtes prêt à prendre. Et lors de cette conversation-là, on vous écoute parce qu'on doit être à l'écoute de cette personne, de cet investisseur. Donc, on vous écoute, on essaie de comprendre et on essaie de vous orienter. Et à travers cette orientation, très souvent, ça change. La personne peut arriver à Profil avec quelque chose en tête et en ressortir complètement changé, avec de nouvelles décisions, avec de nouvelles stratégies. Oui, tu as le pouvoir d'apporter ce changement au niveau de la vie de ton client. Christelle. Et moi, je veux ajouter un petit peu, et pour Madame Louis, pour être un bon conseiller, l'étude aussi, ce n'est pas seulement de connaître les marchés financiers, la finance, et on s'attelle aussi à avoir une bonne connaissance de cette psychologie de l'investisseur. On doit comprendre le client. On met aussi beaucoup l'emphase sur la compréhension et de la situation humaine, de la communication aussi. Et ce sont des choses sur lesquelles on met un point central. Et en dernier lieu, et la vente. Et vous savez que la Bien vente, c'est sûr. très important. Donc, ce sont, en fait, c'est un package. C'est un package. Merci. Alors, nous allons passer à Josué Illiste qui demande quels sont les critères d'un bon investisseur? Les Le critères. critère pour un bon investisseur. Et en fait, pour être un bon investisseur, je peux dire que la première chose, c'est d'avoir une connaissance en éducation financière.
Même si vous n'êtes pas un grand financier, mais il faut avoir une compréhension des bases de la finance. Par exemple, comprendre comment gérer ses finances personnelles. D'ailleurs, j'invite à la personne qui a posé les questions de faire des petites recherches en ce sens. Et parce qu'il faut avoir cette base. Il faut avoir une capacité d'analyse et de recherche. Par exemple, vous devez être à même de pouvoir analyser, par exemple, les rapports financiers d'une entreprise, des marchés, avoir une petite connaissance des informations sur ce qui se passe au niveau des marchés, soit en Haïti, soit sur le plan international. Il faut, je dirais, pouvoir s'adapter, développer des stratégies et faire ce qu'on appelle la partie planification et stratégie, définir des objectifs clairs pour vous-même en tant qu'investisseur pour pouvoir élaborer votre stratégie et avoir une petite partie de ce qu'on appelle la gestion des risques, regarder quels sont les risques associés à certains, à certains investissements. Par exemple, les obligations sont des titres qui, de par le monde, on dit que les obligations sont des titres sûrs. Il n'y a pas de risque zéro. Le risque zéro n'existe pas, mais par exemple, dans les obligations, c'est un produit très, très prudent. Et il faut développer ce qu'on appelle sa discipline et avoir beaucoup de patience. Et là, je vais prendre l'exemple sur moi-même ou bien la culture haïtienne. Parfois, en Haïti, on a cette culture. On investit aujourd'hui, demain, on voudrait qu'on soit déjà des millionnaires. Il faut cultiver cette patience. Il faut toujours se rappeler qu'en investissant, vous faites un investissement, mais il faut être patient pour regarder le long terme. Parce que c'est à travers le long terme que votre investissement, votre patrimoine va grandir. Et il faut s'adapter. Parfois, vous pouvez commencer à investir dans un type de produit aujourd'hui et demain, par rapport à vos objectifs, faire une migration vers un autre type de produit. Et donc, il faut pouvoir s'adapter. Et vision à long terme. Vision à long terme, il ne faut pas regarder le court terme, il faut regarder à long terme. Par exemple, moi-même aujourd'hui, en tant qu'investisseur, je pense déjà ce que je suis en train de faire ou je suis en train de faire en termes d'investissement ou en termes de pensée, je vise déjà ma retraite. Je me dis que bon, dans 20 ans, dans 40 ans, tout ce que je suis en train de bâtir là, c'est pour pouvoir avoir une retraite assez stable dans 20, 40, 30 ans. Donc, ce sont les maîtres mots et je dirais peut-être en dernier, l'éthique et responsable. Bon, l'éthique, il ne faut pas investir dans n'importe quel produit. Bon, et avant d'investir, vous devez être à même de pouvoir analyser est-ce que c'est un bon investissement, est-ce que c'est dans un secteur et porteur et tout ça. Donc, moi, ce sont mes conseils pour être un bon investisseur. Alors, j'allais ajouter d'autres points, Lionel, parce qu'en fait, être un bon investisseur, ça veut dire vouloir atteindre des objectifs et fixés, et ceci rapidement, que ce soit à court, moyen ou long terme. Donc, il y a peut-être différentes tactiques pour pouvoir le faire, pour pouvoir atteindre ces objectifs et se dire, okay, d'accord, j'ai fait un bon investissement, j'ai fait de bons investissements. Donc, il faut réduire les dépenses non essentielles. Et on identifie, on élimine les dépenses superflues et on se libère, enfin, alors on libère des fonds pour pouvoir avoir plus de fonds, alors plus de montants pour investir, pour placer, à profit bien sûr. Il faut mettre en place des transferts automatiques sur votre compte d'épargne ou bien d'investissement parce que ça garantit une certaine discipline financière. Vous pouvez faire des ajouts mensuels, des ajouts périodiques de certains montants, que ça soit, alors, que ça soit assez régulier, parce que c'est toujours intéressant de le faire, parce que ça peut aboutir à d'agréables surprises à l'avenir. Vous pouvez avoir un montant assez extraordinaire.
au bout de 5 ans, au bout de 10 ans. Donc, il faut également considérer le fait de rembourser vos dettes. Si vous avez des dettes ayant un taux d'intérêt plus élevé, mettez ça en priorité. Donc, remboursez vos dettes pour réduire les charges d'intérêt que vous avez. Et vous pouvez également chercher des opportunités d'investissement qui offrent un taux de rendement assez élevé. Passez-nous voir à profil. Vous pouvez également investir dans votre éducation financière. Bon, d'où la nécessité des différents ateliers sur l'investissement que le groupe Profine organise. Donc, vous combinez toutes ces stratégies-là et vous pouvez accélérer la réalisation de vos objectifs. Vous pouvez maximiser vos ressources et vous dire que voilà, en fait, je suis un bon investisseur, j'ai atteint les objectifs que je m'étais fixés. C'est ce que je voulais ajouter. Merci pour ces réponses bien détaillées. Maintenant, on va passer à la question de Wincelo Saint-Louis qui demande quels produits vous offrez pour pallier à l'inflation à court ou à long terme et comment définissez-vous le long terme? En termes de produits, Monsieur Saint-Louis, je vous propose de passer à Profine et comme ça, on aura une très belle conversation. Ça sera nettement plus bénéfique pour les deux parties. Pour la partie long terme, il faut regarder au moins 5 à 10 ans. Ah, Et plus de mettez-vous 5 en ans. tête, M. Saint-Louis, quand vous bâtissez votre patrimoine, moi-même, en tant que conseiller en placement, je suggère toujours de garder et de viser au moins 5 ou 10 ans. Parce que c'est sur le long terme que vous allez voir comment vous allez bâtir vraiment votre patrimoine. Vous allez voir les résultats. Aujourd'hui, quand vous investissez, vous regardez, effectivement, vous voyez que vous commencez à grandir, mais quand vous fixez, par exemple, sur le long terme, par exemple, 5 à 10 ans, je vous garantis que vous allez voir les résultats. Voilà, alors on a répondu à toutes les questions. Nous vous remercions de poser autant de questions aujourd'hui. Merci aussi à Viola et à Lionel pour cette présentation et d'avoir répondu de manière si détaillée à l'ensemble de ces questions. Merci encore. Merci d'avoir participé à cet atelier et on vous attend déjà à Profine, à l'Hôtel Royal Oasis. Donc, on est là pour vous aider, on est là pour vous servir. Merci. Merci d'avoir suivi notre atelier sur l'investissement du jour. Planifiez vos objectifs financiers pour cette nouvelle année. Présenté par Viola Moïse et Lionel Syndic, conseillers en placement au sein du groupe Profine. Nous vous invitons déjà à réserver la date du samedi 24 février à 10 h du matin pour notre second atelier sur l'investissement de l'année intitulé Comment préparer sa retraite. Les ateliers sur l'investissement vous sont présentés par le groupe Profine et sont produits par Profine TV.